Il y a beaucoup de films dans lesquels le héros se rend compte que la réalité qui l'entoure n'est pas ce qu'elle semblait être. Ça peut être une illusion théâtrale, par exemple dans le Truman Show, Jim Carrey découvre qu'il a passé toute sa vie dans un studio de cinéma où il est filmé en permanence. Ça doit faire un choc. Ou ça peut être une illusion que l'esprit se crée dans un rêve. L'exemple classique c'est Alice au Pays des Merveilles, mais je pourrais parler aussi d'Inception ou même de Total Recall. Quoique dans ce dernier, le rêve est plus ou moins piloté par ordinateur, ce qui nous amène à une dernière catégorie d'illusion, la simulation informatique. Le film le plus marquant sur ce thème, c'est évidemment Matrix, où le personnage de Neo découvre que les humains ont tous le cerveau branché à un ordinateur qui produit une simulation de réalité. Tous ces films, toutes ces fictions ont en commun de faire en sorte qu'à la fin, nous aussi spectateurs, on se pose une petite question du genre « Et si la réalité qui nous entourait était elle aussi une illusion ?» Gros vertige métaphysique. Alors quand tu fais de la philosophie, t'es un peu blasé devant tout ça, parce que le coup de « ne te fie pas aux apparences, peut-être que la réalité qui nous entoure n'est pas ce qu'elle semble être », les philosophes nous l'ont fait un certain nombre de fois, bien avant que le cinéma s'en empare. L'exemple le plus fameux, ça reste Descartes avec son doute méthodique, qui nous montre qu'on peut douter de l'existence du monde extérieur, et même du fait que 2 plus 2 égale 4. Plus récemment, Hilary Putnam a formulé l'expérience de pensée d'un cerveau dans une cuve. En gros, on ne peut pas être absolument certain de ne pas être juste un cerveau dans une cuve branché à un ordinateur qui enverrait de l'influx nerveux exactement comme le ferait notre corps. Et ouais, on sait jamais. Ok, on sait jamais, mais concrètement, est-ce que t'y crois même un tout petit peu? Est-ce que tu parierais là-dessus? Bah non, je suis pas fou non plus. Mais même si je te fais une super cote, genre à 10 contre 1, tu parierais pas sur le fait que le monde est une illusion? Non, même à 10 contre 1, je parierais pas là-dessus. Mais ça reste possible, et c'est quand même marrant de se dire que c'est possible. C'est possible. Voilà, tous ces arguments montrent seulement qu'il est possible, théoriquement possible, que l'hypothèse de l'illusion soit vraie, mais ça reste très improbable. Il nous semble que la probabilité que le monde soit une illusion, si on devait la quantifier, elle serait très proche de zéro, elle serait presque nulle. Du coup, ça nous ébranle quand même pas plus que ça dans nos convictions. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. L'argument dont on va parler aujourd'hui, l'argument de la simulation, c'est un argument qu'on doit au philosophe contemporain Nick Bostrom, philosophe suédois, et cet argument a ceci de particulier qu'il ne montre pas seulement qu'il est possible que le monde soit une illusion, tout le monde l'a déjà fait ça, il montre que c'est en fait assez probable. Il y aurait en gros une chance sur trois pour que la réalité qui nous entoure ne soit qu'une simulation informatique. Oui ? Une chance sur trois. C'est pas une probabilité infime, c'est très élevé, surtout pour un truc aussi étrange. Et c'est pas tout. Quand Nick Bostrom dit que le monde qui nous entoure ne serait qu'une simulation informatique, il ne veut pas dire qu'on aurait le cerveau branché à cette simulation, comme Neo dans Matrix ou le cerveau dans la cuve de Putnam. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que nous-mêmes, en tant que personnes conscientes, nous serions une partie de cette simulation informatique. Autrement dit, nous serions nous-mêmes des sortes de programmes informatiques qui tournent dans cette simulation. Et ça, ça va plus loin que tous les films de science-fiction à ma connaissance. Eh ben ouais, on va voir pourquoi. Supposons que dans un avenir plus ou moins lointain, nous arrivions à un point du développement technologique qui nous permette de créer des intelligences artificielles de niveau humain. C'est-à-dire une intelligence artificielle dont le programme serait en gros capable de faire ce que fait un cerveau humain. Le programme serait donc une sorte de cerveau informatique. J'ai déjà parlé de tout ça dans cette vidéo, et j'y ai expliqué pourquoi une telle intelligence artificielle, avec son cerveau informatique, eh bien elle aurait vraiment un esprit. Ce serait un être pensant et conscient aussi bien que vous et moi. Peu importe que le cerveau soit biologique ou informatique, la conscience qui en résulte est tout aussi réelle. Cette opinion peut surprendre au premier abord, mais elle est vraiment bien établie aujourd'hui en philosophie, et si vous n'êtes pas convaincu par ce point, je vous encourage vraiment à aller regarder cette vidéo d'abord. En effet, l'argument de Nick Bostrom va présupposer ce point, et donc il vaut mieux en être convaincu. Alors c'est bon, vous avez cliqué, vous êtes au point sur les rapports entre l'esprit et la matière, c'est bon, on peut continuer. On va appeler maturité technologique ce moment du développement technologique où créer des programmes d'une extrême complexité, et notamment des consciences artificielles, devient quelque chose de très facile. Disons aussi facile qu'aujourd'hui fabriquer un Tamagotchi. Si nous atteignions un jour cette maturité technologique, ça nous permettrait notamment de fabriquer des simulations de réalité dans lesquelles nous pourrions placer des consciences artificielles qui prendraient cette simulation pour la réalité. Mais pourquoi le faire? Eh bien par exemple pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui on crée des simulations. Imaginez jouer à Skyrim, mais au lieu de croiser des PNJ inintéressants qui vous racontent toujours la même chose, vous puissiez croiser un personnage réellement conscient et qui vit réellement dans le monde de Skyrim. Ce serait quand même autre chose. Si les programmeurs avaient pu le faire, ils s'en seraient pas privés et on aurait été plutôt contents. Tiens, vas-y, je vais tuer tout le monde, on verra bien ce que ça donne. Ah, mais on peut pas tuer les enfants. Oh non, c'est nul.
Une autre raison moins futile pour laquelle aujourd'hui on crée des simulations pour la science. Il y a des tas de domaines des sciences aujourd'hui où on étudie des modèles, des simulations. Par exemple, pour étudier l'évolution du climat de la Terre, eh bien on simule une sorte de Terre miniature avec plein de données, on fait tourner la simulation et on voit ce que ça donne pour les décennies à venir. Alors aujourd'hui, ça reste très imprécis comme simulation, la résolution est très grossière, mais si on atteignait la maturité technologique, ça permettrait de pousser la simulation beaucoup, beaucoup plus loin. Au lieu de la simuler à grand trait, on pourrait la simuler à la limite atome par atome. Et ce degré de précision dans les simulations, ça donnerait des objets d'études formidables. On pourrait avoir à volonté des tas de petits mondes miniatures à étudier pour plein de raisons différentes. Ça permettrait de tester facilement toutes sortes d'hypothèses, par exemple sur les origines de l'univers, sur l'apparition de la vie, sur l'évolution de l'homme, etc., etc. Ce serait chouette, non? Des univers cobayes. C'est formidable. Donc, si nous restons dans cette tendance à créer des simulations de plus en plus poussées, que ce soit pour notre amusement ou pour en tirer des connaissances, il est clair que plus ce sera facile, plus nous allons créer de conscience simulée. Et donc, à partir du moment où on atteindra la maturité technologique, vu que ça deviendra hyper facile de créer de telles simulations, eh bien on va créer des simulations de conscience en masse. Le nombre de consciences simulées va exploser et va dépasser très largement le nombre de consciences non simulées. Imaginez qu'il y ait autant de simulations d'univers qu'il y a aujourd'hui de rats de laboratoire ou de copies vendues de Skyrim. Du coup, si on regarde l'ensemble des êtres conscients faisant l'expérience d'un monde similaire au nôtre, il faut admettre que cet ensemble comptera une écrasante majorité d'êtres conscients vivant dans des mondes qui sont en fait simulés. Autrement dit, si on rassemblait dans un grand sac toutes les consciences semblables à la nôtre et qu'on en tirait juste une au hasard, eh bien presque à coup sûr, on tomberait sur une conscience simulée. Et là, vous voyez sans doute venir la question que je vais poser maintenant. Qui te dit que toi, là, en ce moment, tu n'es pas une de ces consciences simulées? Bah non, moi j'ai une vraie conscience, hein. Une simulation de conscience, c'est pas vraiment conscience, c'est juste simuler la conscience. Non mais t'entends ce qu'il dit? J'ai dit une connerie. Bon, alors tu vas voir cette vidéo cette fois, et quand tu reviendras, tu comprendras pourquoi j'ai dit qu'ici on admet qu'une conscience simulée, une simulation de conscience, c'est une conscience tout aussi réelle, tout aussi, consciente, qu'une conscience non simulée. Une conscience simulée fait réellement l'expérience du monde où elle vit, elle a des sensations, des pensées, etc. Exactement comme toi, tu as des sensations, des pensées, etc. Ok, ok, ça va, les machines pensent, très bien. Bon. Et du coup, toi, en tant qu'observateur conscient du monde, qu'est-ce que tu sais à propos de ta conscience? Tout ce que tu sais au fond, c'est que tu es quelque part dans ce grand sac rempli de toutes les consciences qui font une expérience du monde semblable à la tienne. Et t'as pas à supposer que t'es dans une place privilégiée. Hein, t'es pas le centre du monde, je suis désolé. En gros, t'es juste un observateur pris au hasard, c'est-à-dire une conscience prise au hasard dans ce grand sac. Et le truc, c'est que une conscience prise au hasard dans ce grand sac, eh bien on a vu que c'est presque à coup sûr une conscience simulée. Je suis pas sûr de bien comprendre quand même. Alors je peux résumer et formuler les choses un peu différemment, même si c'est moins précis. En gros, tout ce que tu sais à propos du monde s'accorde aussi bien avec l'hypothèse qu'on est dans une réalité non simulée qu'avec l'hypothèse qu'on est dans une réalité simulée. Les deux alternatives sont possibles, mais elles ne sont pas également probables. En effet, il y a une seule réalité, tandis qu'il y a un très grand nombre de simulations. Donc si tu tires un cas au hasard parmi tous ces cas, c'est presque sûr que tu tomberas sur un cas simulation. Ouais, c'est peut-être un peu plus clair, mais c'est quand même super bizarre, non? Ça tient vraiment comme argument? Bah ouais, c'est bizarre, et l'argument, franchement, il tient la route, et c'est presque ça ce qu'il y a de plus bizarre, c'est qu'on a un argument plutôt solide qui arrive à une conclusion aussi folle. C'est quand même étonnant, hein? Ouais, tu fais ton blasé, mais au fond, je sais que t'es étonné. Le raisonnement que j'ai présenté jusque-là semble aboutir à quasiment 100% de chances qu'on soit dans une simulation. Mais en fait, j'ai dû faire deux suppositions qu'on va maintenant examiner de plus près. Et ça va quand même diminuer notre degré de certitude quant à cette conclusion. On va arriver à, en gros, une chance sur trois. La première supposition que j'ai faite, c'est que l'humanité atteigne à un moment donné la maturité technologique. Maturité technologique, je le rappelle, c'est le moment où fabriquer des consciences artificielles devient très 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 facile. Tellement facile qu'on peut en fabriquer en masse. Alors en fait, j'ai pas spécialement besoin de supposer que c'est l'humanité en particulier qui va atteindre cette maturité technologique. Pour que l'argument marche, il suffit qu'une civilisation, quelle qu'elle soit, atteigne la maturité technologique. Deuxième supposition, il faut qu'au moins une de ces civilisations ayant atteint la maturité technologique décide d'utiliser cette capacité pour créer en masse des simulations contenant des consciences simulées en telle masse que le nombre de consciences simulées finit par écraser statistiquement le nombre des consciences non simulées. Si ces deux hypothèses sont vraies, alors oui, il est presque certain que nous soyons dans une simulation informatique. Ça, c'est très précisément l'argument de Nick Bostrom.
Et en fait, on peut reformuler son argument en disant qu'il y a seulement 3 scénarios d'univers possibles. 3. Premier scénario, apocalypse technologique. Aucune civilisation n'atteint jamais la maturité technologique. Pourquoi ça? Eh bien, peut-être que toute civilisation, avant d'atteindre la maturité technologique, en vient à développer des technologies qui vont l'amener à s'auto-détruire. Par exemple, en découvrant une source d'énergie tellement puissante et facile d'accès que construire une bombe capable d'éradiquer toute vie à la surface de la planète devient très très facile. Hein, imaginez que demain tout le monde puisse fabriquer une bombe nucléaire dans son garage, je suis pas sûr qu'on verrait la fin de l'année. Et peut-être que c'est le destin de toutes les civilisations intelligentes. On a beau être intelligent, notre intelligence nous donne aussi les moyens de nous auto-détruire et on est trop con pour ne pas essayer de le faire à un moment ou un autre. Scénario 2, le scénario adulte et responsable. Certaines civilisations atteignent la maturité technologique, mais aucune ne crée de simulation de conscience en masse. On peut le faire, mais on le fait pas. Alors pourquoi elles le font pas? Eh bien, peut-être que ça les intéresse plus de faire des sciences ou de jouer aux jeux vidéo. Ou peut-être qu'elles se sont rendues compte que ça pose quand même des problèmes éthiques. C'est vrai que quand je joue à Civilization, ça me gêne pas plus que ça de déclencher une guerre nucléaire avec mon voisin, juste comme ça, pour voir. Et si je savais qu'il en résultait une vraie expérience de guerre pour des milliards de consciences, peut-être que ça me ferait réfléchir. Enfin, il reste un dernier scénario, le seul autre possible, c'est celui où au moins une civilisation ayant atteint la maturité technologique s'en sert pour créer des simulations de conscience en masse. En telle masse que le nombre de consciences simulées finit par écraser statistiquement le nombre de consciences non simulées. Conclusion, si ce scénario se réalise, eh bien il est presque certain que nous soyons, nous, dans une simulation. Notez bien que ce dernier scénario n'est que ce qui résulte de la non-réalisation des deux premiers, donc on a là vraiment les trois seuls scénarios d'univers possibles. Lequel est vrai? Nick Bostrom est en fait très prudent là-dessus. Il soutient qu'il est difficile de le dire et qu'il est même difficile de dire lequel est plus probable qu'un autre. Du coup, en l'absence de poids qui nous ferait pencher d'un côté ou d'un autre, eh bien, on doit répartir les probabilités de façon égale. Donc une chance sur trois pour chacun des scénarios. Donc la probabilité qu'on soit dans une simulation informatique n'est que d'une chance sur 3. Oh bah ça va alors, c'est moins que 50%, j'avais raison de pas parier. Mais quand même, bordel, une chance sur 3, 33% de chance. Et notez que si vous assignez une probabilité moins grande aux deux premiers scénarios, eh bien mécaniquement vous devrez augmenter la probabilité du troisième. Donc si vous pensez qu'il est somme toute peu probable que toutes les civilisations intelligentes finissent par s'auto-détruire, ni qu'elles cessent de s'intéresser aux simulations, eh bien vous devez en revanche admettre qu'il est hautement probable que vous soyez dans une simulation informatique. C'est quand même frappant comme argument, non ? Et du coup, la taille du pixel, bah, ce serait la longueur de Planck. Je tente une blague de mécanique quantique. Alors voilà pour cet argument de Nick Bostrom, c'est, je trouve, un bel exemple d'argument philosophique avec ce que ça peut avoir un petit peu de fou et de vertigineux. Et en même temps, c'est un argument vraiment rigoureux, l'article de Nick Bostrom n'a rien de fantaisiste et il est très sérieusement discuté et commenté dans la communauté philosophique. D'ailleurs, pour information, Nick Bostrom a donné cet argument dans un papier publié en 2003, et ça a fait bien sûr couler beaucoup d'encre chez les philosophes. On a essayé de le réfuter, de lui trouver des failles, mais globalement, on peut dire que l'argument a bien tenu le coup jusque-là. Je vous mets dans la description un lien vers un site qui donne l'article de Bostrom et qui aussi compile les principaux articles qui ont été écrits sur le sujet, si vous voulez vous faire une idée plus précise. Mais entre nous, du coup, toi, tu crois vivre dans une simulation informatique? Bah non, je le crois pas parce que je pense pas que la probabilité soit supérieure à 50%. Mais j'ai vraiment l'impression que l'argument tient la route et du coup, je pense qu'effectivement, on a de bonnes raisons de penser que la probabilité, elle est loin d'être nulle. Et ça, c'est déjà très étonnant. Ah ouais, donc en fait, à 10 contre 1, t'aurais parié quand même. Disons que j'aurais hésité. Bon, et après tout, même si on est dans une réalité simulée, c'est peut-être pas si grave. Une réalité simulée, ça reste une réalité. Notre expérience du monde n'en est pas moins authentique, juste elle est d'une autre nature que celle qu'on pensait. Puisque nous sommes des simulations, soyons des simulations heureuses. Et tout ça me donne furieusement envie de m'acheter un casque de réalité virtuelle, parce que bon, on est déjà dans une simulation, donc... Ah tiens, mais ça me fait penser, j'en ai pas parlé, mais il se pourrait aussi que la simulation dans laquelle on est ne soit pas une simulation de premier niveau. Ça pourrait être une simulation dans une autre simulation, elle-même emboîtée dans une autre simulation, etc., etc., jusqu'à la réalité de base. Ce qui, pour le vertige métaphysique, nous en remet une bonne petite couche, mais je vais pas développer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et peut-être même que ça vous a convaincu, ou tout au moins interpellé dans vos convictions. Alors, je crois qu'on peut pas vraiment être convaincu immédiatement par ce genre d'argument, il faut forcément un petit temps d'adaptation parce que c'est très très étrange. Ça me ferait tellement plaisir que vous partagiez cette vidéo pour que la bonne nouvelle se répande. Nous sommes probablement des simulations informatiques, alléluia! Loué soit le grand programmeur. Et tant qu'à vivre dans un monde virtuel, j'ai décidé d'ouvrir un compte Twitter et de créer une page Facebook de l'émission. Comme ça, vous pouvez me suivre là-dessus aussi, et voilà, c'est bien.
Sur ce, je vous dis à bientôt, en espérant que la simulation ne plante pas d'ici là.